maigres, des petits, des grands, des beaux, des moches. Mais comment on fait la pub pour trouver des tronches pareilles? Revue de pub spécial casting, les grandes gueules de la pub présentées par Jérôme Bonaldi avec Gérard Jugnot et Jean-Claude Dreyfus. Tout va bien, mercredi, 12h30. De neuf, Piccoli et Poupeau sur le divan baroque de Raoul Ruiz. L'inclassable chilien brouille les pistes. Madame, je peux vous dire une chose, je me rappelle de rien. Je vous crois pas. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai tué. Est-il trop tard pour chercher à vous convaincre de renoncer à défendre ce garçon? Quand le plus surréaliste des cinéastes réalise un polar, ça devient un polar surréaliste. Elle aimait jouer. Jouer? Un jeu. Avec vous? Elle disait, maintenant tu seras moi, et moi je serai toi. Tenez là, franchement, je trouve que tu mérites une gifle. Vas-y, gifle-moi. C'est peut-être utile pour vous d'être initié à certains de nos jeux thérapeutiques. Généalogie d'un crime, un cinéma pas comme les autres, dimanche 5, 20h35. Bip, 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 mais t'es folle! Avec Vanini. Tout de suite dans CNET, lorsque le marteau fait l'amour à la scie à métaux, le niveau à huile se fait le tournevis dans un CNET spécial bricolage. Connasse. Elle va couper l'eau, connasse. Alors moi, je... Nom de Dieu, de putain du cul des moines, je suis con. Il est gros, celui-là. Bonjour et bienvenue dans ce CNET spécial bricolage. Alors aujourd'hui, mon ami Pichon m'a demandé de lui poser une étagère pour sa collection de pompes à vélo. Alors, nous avons besoin de bois et pour avoir du bois, eh bien nous avons le choix. Il y a le contreplaqué constitué de fines planches de bois collées entre elles. Nous avons également le latté avec une âme en bois massif et un plaquage fin. Nous avons également l'aggloméré, mais c'est de la merde. Pour mon Pichon, j'ai choisi aujourd'hui... du massif. Du chêne. Et voilà. Non mais t'es qui toi? Brico Girl. Tu ne t'en sors pas? Brico Girl est là. Je m'en sors très bien. Pas du tout. Ton étagère était beaucoup trop grande. À bientôt, ami bricoleur. Et n'oublie pas, Brico Girl est venu. Brico Girl a vaincu. Connasse. Éclat de vos blancs, fraîcheur de vos couleurs, Vanini White Power microcapsule redonne à votre linge l'envie de découvrir dans 3 minutes les secrets de la perceuse, de la mèche et des chevilles. Merci Vanini, merci CNET. Merci Vanini. Monsieur Didi, bonjour. Bonjour. Vous vendez des clous? Oui. Eh ben tant mieux. Des clous? Il en existe de toutes sortes. Ah bon? Ça, c'est un clou de charpentier. Mais c'est quoi, ça? Ça, c'est une pointe dorée destinée à l'ébénisterie. Oh, ça, c'est une pointe à béton. Oh, lui, regarde ça, il a une tête plate. Elle sert pour les coffrages, etc. Oh, c'est quoi? Ça, c'est la pointe tapissier. Oh. Ça s'appelle aussi clou de semence. La pointe torsadée. Ah, bah oui, c'est vrai, il est torsadé. Alors, ça... c'est quoi? Le clou de maçon, il est destiné à l'assemblage. Oh. Des huisseries sur les maçonneries. Dites donc, monsieur Didi, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, des clous, il y en a beaucoup. Oh, je suis crevée. C'est normal, Brico Girl, c'est le week-end, ils sont tous sur leur visseuse et visseuse. Je suis où maintenant? Rocancourt, un homme a coincé une chignole dans un presse-purée.